President, please be seated. The court is now in session. Reprise de l'audience. And the chamber gives the floor to the defense team for Mr. Kyu Somphone to present the key documents les documents clés on the armed conflict. Sur le conflit armé. You have anything to address the chamber, Mr. Co-Prosecutor? Monsieur le Co-Procureur, you may now proceed. Vous voulez prendre la parole? Thank you, Your Honor. Before my colleague begins, avant que ma consoeur I had a couple of references I wanted to provide just in response to Judge LeBrun's question. Donner en réponse à la question du juge Lavergne the defense begins. Avant que la défense n'intervienne. First, I promised you a, excuse me, a site for j'ai promis the identification of 47 l'extrait concernant l'identification de 47 comme étant le frère Son Sen. You will find that at vous trouverez cette information E364 English 00334 060 Khmer 00328 043 and French 00411 710. This is the testimony of Norn Sopang. C'est le témoignage de Norn Sopang, who was a cadre in the telegram qui était un cadre au bureau des télégrammes. And the other site that Judge LeBrun had asked about les the reference to Chon. Concernant I indicated the information we have. J'ai indiqué que l'information à notre position. Perhaps the person who is one of the leading experts on Khmer Rouge evidence, Steve Heder, also Heder concludes that Chon is Sao Pim. You'll find, you'll find that reference in Steve Heder's book, C'est dans l'ouvrage Seven Steve Candidates, Heder. E3. /48 and it's in a footnote. C'est la note de bas de footnote 119 on English page 00393 522. Thank you, Mr. President. Merci, Monsieur le Président. President, thank you. And le Président, merci. Now you can proceed, counsel for Mr. Kyu Somphone. Vous pouvez y aller, maître. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, bonjour Thank à tous. Monsieur le Président, good afternoon. Good afternoon to all of you. Dans le cadre de la présentation de documents que je vais faire aujourd'hui sur le conflit armé, je vais essayer autant que faire se peut de suivre un ordre chronologique avec des documents d'époque, des télégrammes, des rapports au sujet des combats sur le terrain, mais aussi et beaucoup d'analyses de différentes missions diplomatiques, avec évidemment des extraits du discours officiel. L'idée dans le cadre de cette présentation est de non seulement de regarder ce qui se passait sur le terrain, mais surtout de voir ce qui a été dit de ce qui se passait à l'extérieur dans le cadre de discours officiels et d'échanges diplomatiques, parce que du côté de la défense de Kyu Somphone, nous estimons que le contexte de guerre froide dans lequel les faits s'inscrivent sont extrêmement importants pour comprendre la position à la fois du Kampuchea démocratique et à la fois du Vietnam. Nous avons abordé ce point au préalable avec les experts qui sont venus déposer devant cette chambre, et notamment le dernier en date, M. Maurice. Mais c'est un élément qui est extrêmement important dans le cadre de notre analyse du conflit armé. Avant d'arriver à la période 75-79, il y a un document que je voudrais, sur lequel je voudrais attirer l'attention de la Chambre et des parties sur la question des problèmes frontaliers. C'est quelque chose qui revient de façon récurrente sur cette question du conflit armé. Et il y a un document, E3-273, qui est une étude sur les frontières internationales qui a été établie
je crois, sous le couvert du Département d'État américain, par un bureau qui s'appelle, en anglais, Bureau of Intelligence and Research, Office of the Geographer. Et cette étude, qui date du 5 mars 1976, a pour intérêt particulier de faire un rappel historique des problèmes frontaliers, d'expliquer comment les frontières telles qu'elles existaient en 1975 ont été fixées et de rappeler notamment un ensemble de textes, décrets qui datent de la période coloniale. Et c'est vrai que c'est un outil qui est intéressant pour comprendre où les problèmes frontaliers se sont essentiellement posés et quels étaient les arguments que les uns et les autres avançaient dans le cadre des disputes. Avec, et là, les extraits que je vais prendre sur cette question dans ce document, mais il y en a plein d'autres, ce sont spécialement sur la ligne Brévier, qui est la ligne maritime sur laquelle il y a eu aussi beaucoup de discussions. Le document fait un ensemble d'une trentaine de pages avec des appendices et des annexes qui sont intéressantes parce que ce sont des documents d'époque qui permettent de voir comment les frontières ont été fixées. Of the time, which enabled us to le see premier how extrait, the donc ce document E3-273, c'est le début où on fait un résumé de quels sont les problèmes frontaliers, et c'est à l'URN en français, 00-809-211, URN en Khmer, 00-32-48-67, et URN en anglais, 00-15-77-64. Frontière entre le Cambodge et le Vietnam, résumé. La frontière entre le Cambodge et le Vietnam s'étend sur environ 703 miles du golfe de Thaïlande au tripoint avec le Laos. Elle résulte de traités conclus entre la France et le Cambodge au XIXe siècle et d'arrêtés pris par le gouverneur général de l'Indochine au cours de la période d'administration française. Plusieurs tronçons de la frontière terrestre ont donné lieu à des différends et les deux États ont revendiqué la souveraineté sur certaines îles du golfe de Thaïlande. Fin de citation pour cette page. Cette question de fixation des frontières pendant la période coloniale est importante parce que, cette question de la fixation de ces frontières pendant la période coloniale est importante à souligner parce qu'on va le voir notamment dans un document plus tard où le Vietnam fait part de sa position. Le Vietnam indique qu'il s'agit de frontières issues des impérialistes et que ça pourrait être une des raisons pour lesquelles le Vietnam ne reconnaissait pas cette frontière. Donc, ce document de départ me paraît intéressant et plus particulièrement sur la ligne Brévier. À l'ERN en français 00-809-214. ERN en Khmer 00-324-875. ERN en anglais 00-157-771. La frontière maritime. C'est en 1958 que l'existence d'un différend territorial au sujet des îles du golfe de Thaïlande a été portée à la connaissance des États-Unis pour la première fois. À cette époque, le Vietnam avait envoyé au Cambodge une note officielle réaffirmant les revendications vietnamiennes sur les îles Bay, Kota Kiev, Milieu, Côte May, Ho, Kosses, Pic, Kotonsei et l'île pirate du Nord, Kopo. Cette revendication était fondée sur une prétendue colonisation, administration et souveraineté vietnamienne.
le Cambodge a rejeté le point de vue vietnamien comme étant contraire aux faits. Fin de citation pour cette partie. Après vient un historique de la question. Et en conclusion de ce paragraphe sur la frontière maritime, c'est à l'ERN suivant dans toutes les langues. Et l'ERN plutôt 0032487777 en Khmer. Puisque A, les Français ne sont pas parvenus à résoudre le différend, B, l'ancien gouvernement cambodgien a semblé accepter la ligne Brévier, et C, la ligne semblait représenter la ligne de facto de l'administration nationale, il a été convenu qu'elle serait utilisée sur les cartes établies aux États-Unis. Bien qu'elle ne puisse pas être considérée comme une frontière internationale établie, elle semble constituer, d'après la documentation disponible, la représentation la plus acceptable de la frontière maritime à des fins administratives. Fin de citation. Je renvoie également à un dernier paragraphe sur ce document qui rappelle qui synthétise en résumé, et c'est à la page ERN en français 00809220, ERN en Khmer 00324885, ça se poursuit sur la page suivante, et l'ERN en anglais 00157777. Et ça résume comment on a établi les frontières. Les traités ou les décrets datant de la période d'administration française délimitent la frontière entre le Cambodge et le Vietnam depuis la côte près de Asian jusqu'à la rivière Srepok dans les hauts plateaux du centre. Une ligne conventionnelle acceptée par les deux États sur les cartes et dans la correspondance porte cette ligne au Sesan. Sur une courte distance, un décret français place la frontière dans ce cours d'eau. Au nord du tripoint du Laos, la frontière coïncide avec la ligne de partage des eaux et elle est confirmée sur le plan cartographique tant par le Cambodge que par le Vietnam. Cependant, il existe plusieurs points de divergence le long de la frontière. Et là, on cite 6 points de divergence sur la frontière. Et un petit peu plus bas, donc à l'ERN en Khmer et en anglais de la page suivante des ERN que j'ai citées. Toutefois, la question des îles du Golfe de Thaïlande n'étant toujours pas résolue, la ligne Brévier peut être portée sur les cartes en tant que ligne de facto, mais elle ne doit pas être représentée en tant que frontière internationale. Ces îles font toujours l'objet de litiges. Fin de citation. Donc, document important pour rappeler l'historique des problèmes frontaliers. Et ça m'amène directement à évoquer les premières frictions qui ont eu lieu entre le Vietnam et le Kampuchea démocratique, précisément sur ces îles. On en a déjà parlé et des choses ont été déjà évoquées devant cette chambre. Je voudrais simplement citer un passage de Philip Short, donc Pol Pot, Anatomie d'un cauchemar, E3/9, ERN en français 00639837, ERN en anglais 00396504, pas de Khmer. À la fin du mois d'avril 1975, avant même la chute de Saigon, Paul décida que tout le comité permanent ferait un geste spectaculaire de bonne volonté en se rendant à Hanoï. Le calcul était simple. Si, comme Paul le pensait, le Vietnam était à long terme le principal ennemi potentiel du Cambodge, la prudence exigeait de maintenir de bonnes relations avec lui
au moins jusqu'à ce que le pays fût assez fort pour relever un éventuel défi vietnamien. Les événements ne tardèrent pas à confirmer de manière éclatante le bien fondé de cette attitude conciliante à l'égard de l'ennemi héréditaire. Le 4 mai, on assista à un échange de tirs entre des unités navales cambodgiennes et vietnamiennes près de l'île de Phucoc, située à une quinzaine de kilomètres au large de la province cambodgienne de Kampot. Depuis la période coloniale, cette île était administrée comme une partie du Sud Vietnam, mais les questions de souveraineté n'avaient jamais été réglées. D'autres incidents survinrent, et le 10 mai, une autre petite île détenue par les Vietnamiens fut occupée par les troupes cambodgiennes basées sur l'île de Wai, à 130 km au sud-ouest de Kampong Song. Fin de citation. Philippe Short rappelle ce que je viens d'indiquer sur la question des problèmes irrésolus en matière de frontières et notamment de ces îles. Mais il est important qu'il note qu'il y a des échanges de tirs le 4 mai qui sont survenus avant cet épisode de l'occupation de l'île par les troupes cambodgiennes. Et là, on ne dit pas qui est à l'origine des premiers échanges, simplement un point pour indiquer que lorsque l'on parle de qui est à l'origine du début des conflits et quels sont les tiraillements. Ce sont des tiraillements qui étaient bien antérieurs à la période du Kampuchea démocratique et qui, de temps en temps, ont soulevé des crispations. Mais en tout état de cause, c'était très clair et il ressort de ce que en rapporte également Short par rapport à sa recherche, que 75 et même plus tard, comme on le veut voir avec le document, ce n'était absolument pas une volonté du Kampuchea démocratique de créer des problèmes avec son voisin vietnamien. Bien sûr, il y avait eu des alliances. Après, nous savons que lorsqu'il y a des conflits frontaliers qui datent de plus de centaines d'années, c'est toujours compliqué de les résoudre en peu de temps. Sur cette question de la position du Kampuchea démocratique en 1975, nous avons déjà utilisé un certain nombre de documents au cours des débats. Je voudrais renvoyer notamment au procès-verbal du comité permanent du 2 novembre 1975, où on évoque un certain nombre de difficultés qui peuvent être intervenues, mais où on voit que la question du dialogue est prépondérante. Je renvoie notamment à l'ERN en français 00290867, ERN en Khmer 00019133 et ERN en anglais 00183413. Petit 2, la situation de la frontière et de la mer. La situation à To Bok était confuse. Mais en réalité, les Vietnamiens étaient là-bas. À notre connaissance, après s'être retirés de Trung Treng fin juillet, 30 Vietnamiens étaient revenus. Quand nous leur avions demandé de reculer, ils avaient répondu qu'ils étaient sur leur territoire. Puis, ils avaient amené d'autres forces qui étaient majoritairement des minorités ethniques. Ensuite, ils ont déplacé la population au nombre de 100 personnes. Quand nous avions officiellement protesté, le Sud n'avait pas répondu. Le Nord avait répondu en précisant qu'il saluait ce que nous lui avions dit. Il avait ajouté que si on vérifiait, ce serait d'évidence notre territoire et qu'il ordonnerait à ses soldats de se retirer. Après nos protestations, les Vietnamiens à Ho Se Thé se sont retirés, mais ceux de Ho Ta Bok ne se sont pas repliés. Ensuite, 15 autres personnes sont venues sur la route numéro 19. Selon le dernier compte-rendu, ils ne se sont pas retirés de Ho Ropong.
Quand nous sommes allés les voir, ils ont dit qu'ils iraient consulter leur hiérarchie. Leur hiérarchie a dit de se replier. Mais depuis lors, aucun retrait n'a été effectué. Fin de citation. Un exemple de conflit à la frontière et la manière dont, en 75, bien sûr, on était encore en train de dialoguer, mais dans le fait que, effectivement, les troupes, on a parlé de la question des troupes cambodgiennes qui n'auraient pas bien compris les délimitations, mais là, on voit que du côté des troupes vietnamiennes aussi, il semble qu'il y ait des problèmes sur la délimitation de la frontière et de l'endroit où ils peuvent arriver. Un autre point important de ce PV de novembre 75, ERN en français 00290868, ERN en Khmer 00091934, ERN en anglais 00183413. Sur le plan diplomatique, lorsque nous sommes allés voir les Vietnamiens, nous avons dit que nous considérions le Parti des travailleurs et le peuple du Vietnam comme des amis intimes. Sur le terrain, il pouvait y avoir quelques problèmes, mais notre parti les a résolus au fur et à mesure. À Ratanakiri, des amis vietnamiens sont venus habiter à Auto Bok. De notre côté, nous leur avions demandé de reculer et ils avaient refusé de le faire. S'ils ne se retiraient pas, il pourrait y avoir des malentendus. Donc, leur recommander de reculer. Nous faisons en sorte qu'il n'y ait pas d'accrochage. S'il y avait des problèmes, nous les résoudrions au fur et à mesure. Nous devons être exemplaires en amitié. Et ensuite, il faut envoyer des forces au Modonkiri. Et on évoque le déploiement de Vietnamiens sur les petites îles. Donc, là, c'est très clair que dans la politique officielle du PCK à ce moment-là, c'est le dialogue qui doit prévaloir. J'avais cité, je le dis pour rappel, que cette question des éventuels problèmes frontaliers et des éventuelles velléités hégémonistes vietnamiennes ont été évoquées dans le milieu diplomatique des différents pays qui suivaient la situation, et je renvoie notamment à un rapport de l'ambassade australienne à Hanoï, E3-9723, que j'avais, il me semble, cité, où on évoquait la question de la Fédération indochinoise et des problèmes qu'il pourrait y avoir par la suite. En 1976, on est encore dans cette volonté de dialogue. Je renvoie notamment au PV E3-229, un PV du comité permanent en date du 22 février 1976, qui évoque des problèmes frontaliers, mais qui indique qu'il ne doit pas y avoir d'attaque, sauf s'il y a une entrée dans le territoire. C'est la première page du document qui m'intéresse dans un premier temps. ERN en français 00334958, ERN en anglais 00181826 25, ERN en Khmer 00000, donc 5 fois 0, 713. Ordre du jour, les problèmes de défense du pays. Grand 1, les comptes rendus au sujet de la situation de défense du pays. Petit 1, la situation à la frontière de l'Est. Le super camarade Kieu, Son Sen, rapporte: depuis le mois de février, les Vietnamiens ont mené des opérations puissantes le long de notre frontière du côté Est, notamment à Ratanakiri.
à Svei Reng, et à Kam Samnor. Ils sont venus se positionner sur notre territoire à 200 mètres ou à 3 km de la frontière. À certains endroits, ils ont illégalement déplacé les bornes frontalières. Quand nous les avons chassés, ils ont reculé. À d'autres endroits, ils sont venus se positionner dans les anciennes casernes de Senol avec des hommes au nombre équivalent à une section, voire une compagnie. Ils ont dit que leur comité central leur a ordonné d'y venir. Fin de citation. Donc là, c'est intéressant parce que on voit qu'on parle d'entrée de troupes vietnamiennes sur le territoire cambodgien dès février 1976. On voit que l'on parle de déplacement de bornes frontalières. Et pourtant, voilà ce qui est dit à la page suivante, en français, 00334-959. 959. ERN en Khmer, 5 x 0, 714. Et ERN en anglais, 00182626. Les recommandations de l'ANCAR. Petit 1, les problèmes à la frontière. Les activités de déplacement des bornes frontalières de la part des Vietnamiens ont deux aspects. Premièrement, ils veulent prendre notre territoire encore et encore. Cela est leur objectif général. Deuxièmement, soit il s'agit des recommandations de la hiérarchie, soit il s'agit des activités personnelles des habitants qui sont allés du Cambodge et celles des unités de patrouille le long de la frontière. Nos mesures, en principe, nous négocions avec eux. Mais l'important est d'organiser les forces de sécurité. Si nous appliquions les mesures politiques seules et non militaires, et s'ils venaient en grand nombre, ce serait plus difficile pour nous de résoudre les problèmes. Il faut examiner les lieux puissants et les lieux faibles et nous tenir prêts au combat. Quand ils entreront, nous les attaquerons tout de suite. Fin de citation. Donc là encore, il ne s'agit pas de chercher à annexer le territoire vietnamien, mais simplement de défendre une frontière. Et il est intéressant de noter qu'on parle toujours d'attaque défensive s'il y a une incursion dans le territoire. Et je voudrais renvoyer, pour le coup, un autre passage de Philippe Short, document E3-9, où il évoque la stratégie de Pol Pot et la manière d'évoquer la question de la frontière, et il dit quelque chose d'intéressant. C'est à l'ERN en anglais, 00396506, et à l'ERN en français, 00639839. Il évoque le déplacement de dirigeants à Hanoï, le dirigeant du Kampuchea démocratique à Hanoï en signe d'amitié, et notamment la proposition d'un traité d'amitié entre les deux pays. Et voilà ce qu'il dit. La démarche était habile. Le vieil adversaire de Paul, Le Duan, qui dirigeait les entretiens du côté vietnamien, ne pouvait repousser ouvertement une telle proposition. Elle soulignait pourtant qu'aux yeux des Cambodgiens, les relations futures entre Phnom Penh et Hanoï devaient être bilatérales, entre nations égales et souveraines, au lieu de s'intégrer dans un regroupement plus vaste des trois États indo-chinois, comme l'auraient préféré les Vietnamiens. Cette visite, comme toutes les activités de Paul en 1975, fut tenue secrète. Il n'y eut pas d'annonce, pas de communiqué, et aucun moyen pour qui n'était pas membre de la direction des deux parties de savoir ce qui s'était dit. Mais ces entretiens réussirent de toute évidence à atténuer les tensions politiques. Fin de citation.
le pourquoi j'ai lu ce passage, c'est intéressant de voir comment cette question de pouvoir parler d'égal à égal avec le Vietnam est quelque chose qu'on retrouve également is something dans, that we find as well in the meetings of the standing committee and in the minutes of these meetings. J'ai parlé tout à l'heure I spoke earlier about de la question des frontières of de cette notion borders de and this notion of imperialist borders. On retrouve cette and we notion can find dans this notion again in written record or in the minutes of the standing committee of 11 March 1976, document E3/217, ERN en français, French ERN. 00334964 ERN en Khmer 5 × 0 7 × 7 737 et le ERN en anglais 00182625 et ça se poursuit sur la page suivante. On to the following page. C'est le grand 2, les recommandations it's de l'ANCAR au sujet des problèmes Ankara's frontaliers. Regarding the border petit issues 1, il y a un petit rappel so there's a first paragraph A where there's a reminder des historiques the history et à la fin du dernier end, paragraphe at the de last ce petit paragraph 1, in this section little A we see dans the following les problèmes frontaliers du border côté issues est on the eastern pas side throughout history have not yet been solved. Au mois de juin de l'année 1975, pendant les négociations, notre parti a également soulevé ces problèmes. These mais les Vietnamiens but the n'ont Vietnamese pas répondu. Did not respond. Après, afterwards, ils ont dit au super camarade Nguyen to super comrade Nguyen, et c'est entre guillemets, quotation donc, marks here. Vietnamiens. Cette frontière a été tracée par les impérialistes. Nous allons résoudre so we're going to et la suite solve, est illisible. And the rest I cannot c'est read. Intéressant so it's de interesting noter que to note du côté that, vietnamien, on the Vietnamese on side, ces frontières comme étant impérialistes have been peuvent brought up as laisser supposer qu'il y a un problème à les reconnaître telles that quelles. There is maybe an issue to acknowledge them the way they are. Là encore, and here again, PV du 11 mars 76. These are the minutes of the meeting of 11 March 1976. French ERN. Le RN suivant. The following one. Anglais, English. 00182636. ERN en Khmer. Khmer 5 × 0 7 × 7 Les mesures dans and le futur. The measures for the future. Dans le futur, nos mesures future, comprendront deux catégories. Measures will include two c'est l'armée et la politique. The armed petit a, l'armée. And politics. De so nos military, we pour should défendre use our forces to aucune faille, defend ourselves with leading no flaws because faille, we know from experience that every time that there was a flaw, they would penetrate. And if they came into our territory, we will attack ne them. Pas en position and de will, force. And, they will not have the upper hand. Comme à Ratanakiri as in Ratanakiri and nous avons Takeo, attaqué et we attacked them and endroits. Pushed them back in several places. À Krasie, nous les in Krasie, we attacked them and expelled them. If there were no armed forces, we would certainly lose our territory. Prendre, and they would come encore et encore, and nibble petit à petit. More and more of it. Mais en ce qui concerne but les attaques, nous attaquons. Attacks, en ce qui concerne les négociations, we will attack, nous but négocions. When it comes to negotiation, we are willing to negotiate. And ce of course, free translation. Passage, so it's interesting in this excerpt is that this is March 1976, and they're speaking about incursions in Ratanakiri, in Krachie, which leads us to believe that when we're speaking about incursions in Vietnam, on the part of the Cambodian troops, c'était elle qui était à l'initiative en 77, but here we see that in 1976, des problèmes qui se posent d'entrée de troupes. Issues of Vietnamese troops coming into Cambodia, la consigne and dire, therefore the instructions s'il y a une entrée sur notre territoire, it is only if we are attacked by Vietnam that we will react. Je renvoie également à un autre document qui I'd like to refer cité, you to another document, document that was quoted, document E. 221, qui a encore été cité ce matin, was me again semble, mentioned this morning, I believe, by Monsieur le co-procureur, the international co-prosecutor. Il y avait évidemment and,
une de la question de la ligne Brévier qui a de nouveau été abordée. This document. Je renvoie la Chambre à une lecture plus complète sur ce point, mais nous l'avions, je pense, utilisé dans d'autres audiences de documents, et je crois avec des experts qui étaient venus témoigner. Experts also testified using this document. Intéressant dans that's les documents interesting de to note in the 1976 documents. De la deuxième réunion it is the minutes of the second meeting of the Council of Ministers of 31 May 1976, document E3/794. On parle and toujours de négociations. Negotiations à l'URN are being discussed in 00 French ERN 00611617 à l'URN and, Khmer. 5 fois 0, 5 times 0, 785, pardon. 5, et l'URN en anglais, English, 00182675. On parle toujours des affaires de la défense du pays. The defense matters on parle in Cambodia are being discussed, and avec les Thaïlandais, about ce qui est improving relations with Thailand. La frontière and what's interesting est. Here is to look at the nous avons négocié avec le Vietnam sur les Eastern problèmes border, and we negotiated with Vietnam et regarding the border issues, and the situation dans une has mesure. Improved to a great extent. La perspective va vers une grande amélioration. So indeed, we're contemplating great improvement, et on and cite there are many reasons behind this improvement, and there the various reasons are listed. On est and, à ce moment-là en now, mai. This is May 1976 here. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des télégrammes d'époque qui datent un petit peu avant, period, notamment E3/1019, in which, au 20 février 1976, this is 20 February 1976, à nouveau, in which, des problèmes de déplacement de bornes frontalières à l'intérieur du territoire cambodgien. The removal of border markers are being discussed here in this telegram. Displacement of border markers inside Cambodian territory. Il a été rappelé également le document E3/799, which was quoted again this morning by the co-prosecutor, which is the minutes of the plenary meeting of the Committee of Division 920, dirigé par Son Sen, which was led by Son Sen. Cette réunion, well, this meeting was chaired by Son Sen, and I will talk about the detail of these minutes, which speaks about a lessening of tension between Cambodia and Vietnam, despite the issue of removing the border markers, but I'd like to speak about j'avais l'impression dans la manière dont il présentait les choses et les télégrammes que mines, il y avait des utilisations de mines because dans I understood côté. From the prosecution nous avons that vu à l'audience was, that mines were used and we saw various witnesses testify about the malheureusement ça a été une mines and des deux this côtés. Is what happened on both et sides during the armed conflict and I'd like to refer you in particular to French ERN 00323915 and English 00184779 and Khmer 00083151 58. Et on parle and here de what's being la discussed du régiment is the position voilà of Regiment 91, and this is what is said. La position du régiment 91 est au village de Komul village. Une compagnie de Pumolive. It's a une compagnie Amrush. And an Amrush company. Les ennemis ont the posé des mines et resté allongés pour déclencher les mines down, le long de la route de Dak mines along the Dak Dam Road. Les ennemis nous and ont attaqué au niveau du point de 600 sur 580. A point 600 over 580. Le 16 août, on 16 les August, ennemis sont the enemies entered and attacked us. Deux personnes two ont été tuées. Were killed. Donc là, on parle so de here, août 76. What's being discussed is August 1976. Et c'est après and que Son Sen explains that pas encore eu de there grands accrochages, were no major mais qu'il y en a des clashes sans arrêt. Yet, but et ça, constantly c'est there are la page small suivante, ones. And this is what we see on the following page in the following year in all three languages. So it is under suite, these conditions that later on, termine sur les passages qui ont été cités par mon confrère de Nunchia à l'audience récemment. We can come up with the passages that were mentioned
statement by my colleague from the Nunchia defense, which shows that they did not provoke these clashes. So now we're going to speak about 1977 and the actual clashes. And I noted that the co-prosecutors revised list, the co-prosecutors included more telegrams from the period. Telegrams coming from DK that describe the Vietnamese incursions in Cambodian territory, which was not on the original list. And I am happy to see this and to see that we have a broader vision of things and less Manichaean regarding this question of incursions, of Vietnamese incursions inside Cambodian territory. Et je and I would like to refer you to. Je vais pas aller dans le détail, I won't go into detail, but I'd like to refer you to telegrams comme, such as E3/853853. It's not really a telegram, it's a report rather that was addressed to the Ankar dated 3 June 1977, which describes activities and. Et des incursions incursions du côté, et des lancements de roquettes and notamment. Rocket launching première page on the first page from the Vietnamese des lancements de roquettes donc de so these are rockets that are launched from des troupes vietnamiennes sur le territoire Vietnam cambodgien. Into Cambodia un autre and document another qui document est so which is interesting to look at is E3/852, which describes the activities and the clashes that happened around Svay Rieng. And des obus qui ont été lancés. Shells that were lobbed and several incidents qui sont incidents that are related here in this telegram that occurred in April 1977. Un autre document another document that's interesting to look at is document E3/854, which describes as well the situation of the enemies along the border avec with soldats du Democratic Cambodia soldiers qui ont été blessés that were injured. Et je vais peut-être citer and un passage. Let me quote an excerpt. It's French ERN 00386832. En anglais, English 00183712. ERN en Khmer 00021214481. Et on évoque and here what's being described is an incident on 8 June 77. Voilà ce qui est dit. And this is what is said. À 5h30 du 8 juin 77, at 5:30 hours at the spearhead of unit 102 Kenglek, in the vicinity of Spientma trois de nos soldats qui se sont déplacés pour défendre la frontière three of our combatants moved to sont defend tombés the border, sur un groupe de Vietnamiens. Faced a group of Vietnamese. À ce moment-là, then, ces derniers ont tiré à tort et à travers sur nos deux soldats fire qui on ont our succombé. Killing two. Ils ont saisi deux they fusils, seized dont two un of our AK, weapons, one AK, un AK and, pardon, et un and one AR-15. Quant aux cadavres de nos soldats, now, nous avons pu with les récupérer. To, the bodies of our soldiers, chez ces Vietnamiens, we were able to retrieve nous avons them, tué une personne sur and place we killed et one Vietnamese, deux autres. And we wounded two others. Ils ont hissé et transporté they les corps jusque dans leur territoire. Dragged the bodies into their territory. Fin de citation. End of quote. Je souligne so jusque I dans like leur territoire to underscore here parce que into their, up into their cela territory démontre que cet incident because this s'est shows pas passé that sur this incident did not happen in a Vietnamese territory. D'autres and other télégrammes telegrams, qui ont été évoqués that were discussed je pense ce matin this et avant, morning and before sur la question, regarding de la zone est, the East Zone les télégrammes de Sao Pim notamment war, et la dégradation de la situation and the degradation partir, of the situation as particulièrement of, à partir d'octobre October in et particular, avec évidemment le pinacle and de décembre of course, with the pinnacle in 77, December 1977 and the beginning in, of January 78. Je
J'ai commencé mon intervention en parlant de l'importance de mettre en parallèle ce qui se passait sur le terrain et ce qui se passait en matière diplomatique. In diplomacy, je renvoie notamment au témoignage bien sûr de l'expert Maurice, of expert également Morris, au document que j'avais cité, and also, to the document that I mentioned, de quelqu'un qui a travaillé sur les archives soviétiques, on the Soviet archives, Monsieur Maurice. Dimitri Mosiakov. This is Dimitri Mosiakov, document E3/9644, and he brings up interesting aspects regarding the pre-1975 situation and decay as well. And we'll get back to this. One important issue that was brought up with expert Maurice was Vietnamese propaganda, and in particular in 1977. C'est-à-dire avant, that is to say, avant et before and during the increase of tensions of the fighting along the border, and a document coming from Chin, dated... en date d'août 77, c'est intéressant. August 1977, c'est document E3/882. C'est intéressant parce que c'est une analyse de ce que disent les Vietnamiens au niveau des différentes ambassades présentes à Hanoï. Quelle est la communication que fait le côté vietnamien pendant l'escalade de ces éléments. Et je renvoie donc sur le résumé des points qui sont abordés par Hanoi à l'URN en français 0-0-386-253 à l'URN en anglais 0-0-1-3-1-3-1-3-2 et à l'URN en Khmer 4x0, 1, 2, 4, 8. Et voilà comment Chin présente les choses. Donc, il adresse ce courrier à l'attention du respecté et bien-aimé M81. Il dit, petit 1, au sujet des ruses vietnamiennes de diffusion de rumeurs. Actuellement, le milieu des ambassades à Hanoï est généralement au courant des conflits frontaliers entre nous et le Vietnam. Regarding conflicts along our borders Ces événements Vietnam, ont vivement attiré l'attention des gens. Les points de départ de cette rumeur sont, les Vietnamiens font circuler, notamment en évoquant les accusations de massacre de l'armée cambodgienne. Massacres committed by the Cambodian army, which ce qui a été dit dans les archives soviétiques par les autorités vietnamiennes, ce qu'on a pu aussi retrouver dans Nayachanda, dans un certain nombre de points qui ont été évoqués. Ce qui m'intéresse ici, like c'est l'analyse que fait Chin ces rumeurs, comme il les appelle, à l'URN suivant en français, French, en anglais, and the following one in English, également and suivant the following one in Khmer. Et voilà ce and que dit this is what, Chin says. Donc, l'examen de Thus, ce contexte montre the que review of this context shows that, le Vietnam est Vietnam arrivé à une nouvelle étape. Reached a new step, il a new s'efforce era, de rassembler le public it is mobilizing the masses, et augmente les invasions while at the same sur notre time, territoire. It is advancing its aggression into our country. Et en même temps, simultaneously, il a continué de ruser it is pour tromper also les autres. Applying tricks to blind Pas other de transparence à 100%. Still, it is not 100% open with this regard. Et il dit, grand 2, au sujet des visites de Vong Nguyen Diap dans quelques provinces situées près de la frontière du Cambodge à la fin du mois de juillet de cette année 1977. Les déroulements des opérations de Giap intéressent de plus en plus les étrangers au Vietnam. Le déroulement des opérations de Giap, petit 1, les événements qui pourraient avoir un lien avec les voyages de Giap, d'après mon analyse. Petit a, a, après que le Vietnam avait été forcé à After signer Vietnam un traité avec Laos. Petit b, b, le Cambodge est en train d'avoir des problèmes frontaliers avec la Thaïlande. With Thaïlande. Petit c, c, le Cambodge est en train d'avoir des problèmes frontaliers avec le Vietnam. Vietnam.
petit d, a entendu que cette région avait ses propres agents de sécurité. Petit e, il y a eu une visite secrète de la délégation spéciale du système militaire russe au Sud-Vietnam. Cette délégation était composée du vice-ministre de la Défense russe, de quelques généraux experts. Ils étaient venus par bateau. Ils se sont arrêtés dans le port de Danang vers la mi-juillet. Cette délégation est maintenant déjà rentrée chez elle. Petit 2. Après observation des quelques grands événements ci-dessus, je peux deviner ce qu'ils souhaitent. Petit A, renforcer et augmenter les forces à la fois sur le plan de la politique, de la mentalité et du commandement militaire pour qu'ils en profitent pour nous envahir de plus en plus profondément. Petit B, montrer au monde qu'ils ne sont pas les envahisseurs, mais qu'ils sont prêts par contre à se battre contre les invasions venues de l'extérieur. Petit C, présenter la situation et la géographie de cette région aux militaires russes. The Soviet military personnel were briefed on the situation and geography of that area. End of quote. C'est intéressant, ça date de 1977. Et là, on voit en tout cas, le personnel diplomatique à Hanoï, in Hanoi, du Kampuchea démocratique, est au courant d'un rapprochement entre le Vietnam et l'URSS, and the Soviet Union. Et qu'il y a une campagne de communication du Vietnam there was a Vietnamese pour communication campaign les choses à sa façon. In their way. Et il termine dans ce document en expliquant comment dans le milieu de Hanoï, c'est le RN en français 00386255. En anglais 0 1 3 1 3 1 3 5 et en Khmer 00001250. En conclusion, au sujet du Vietnam uniquement, examiner la position politique du Vietnam et selon les événements successifs, montrer que le Vietnam joue le va-tout pour parvenir à nous envahir cette fois-ci de façon plus violente que dans le passé. Et vient ensuite la position des pays étrangers. The position of the foreign countries in that regard. 12 août 1977, c'est important parce qu'on a parlé de l'escalade, de ce qui se passait sur le terrain, et on voit qu'il y a aussi des tractations de plus en plus importantes du côté diplomatique. Et là, j'en reviens au document de Mosiakov, document E3/9644. Et le RN qui m'intéresse est en français, le 0111253320. Le RN en anglais, 0108595997. Le RN en Khmer, 0111200096. En Khmer, 0111200096. Correct, interpreter. Et on revient sur un thème qui a déjà été abordé avec l'expert Maurice, également se retrouve dans un passage de l'ouvrage de Philippe Short, à savoir le moment that is to say, the moment when Hanoï se rend compte qu'il faut avoir une politique diplomatique pour préparer son projet. Voilà ce qu'il dit. On parle des différentes options qui ont été envisagées par Hanoï. À l'époque, Hanoï envisagea seulement deux façons de résoudre le problème cambodgien. Selon Vun Ong, chef du service consulaire du ministère des Affaires étrangères vietnamien, une option était de voir les forces saines, entre guillemets, l'emporter au Kampuchea démocratique.
prevail in democratic Cambodia. The other consisted in forcing Pol Pot to negotiate in a situation that was getting worse and worse. And here the author mentions his sources. And he continues. Comme nous pouvons le constater, as we can note, Hanoi was banking either on a coup d'état which would come with the victory, or on Pol Pot's capitulation and his acceptance of all of the conditions imposed by the Vietnamese. Mais ses dirigeants, leaders, entre crochets du Vietnam, Vietnamese leaders, avaient mal évalué la situation. Did not assess the situation properly. La tentative de fomenter une mutinerie des forces militaires de la zone Est et ainsi renverser Pol Pot, ce soldat en juin 1978 par un désastre total pour les rebelles opposés à Pol Pot. Dans ces conditions, la première option pouvait être oubliée. La deuxième s'avéra tout aussi réaliste. L'aide apportée aux Khmer Rouges par les Chinois s'accrut considérablement en 1978, atténuant ainsi les difficultés auxquelles le régime était confronté. En fait, les dirigeants vietnamiens n'avaient pas seulement envisagé les deux scénarios que Vu Hong avait exposé à l'ambassadeur soviétique. Ils avaient une troisième option, renverser le régime de Pol Pot régime en lançant une invasion militaire de grande envergure et installer une nouvelle administration à Phnom Penh qui serait placée sous la tutelle de Hanoi. C'est ainsi qu'à la mi-février 1978, les responsables du parti vietnamien, Le Duan et Le Duc Tho, rencontrèrent d'abord un petit groupe de communistes khmer qui s'étaient regroupés au Vietnam en 1954, qui étaient restés. Entre parenthèses, la plupart de ceux qui s'y étaient regroupés étaient retournés au Cambodge au début des années 70, où ils n'avaient pas tardé à être exécutés au cours des purges. Ensuite, secondly, avec d'anciens Khmer Rouges qui, fuyant la répression de Pol Pot, avaient trouvé refuge au Vietnam. Ces rencontres visaient à mettre sur pied un mouvement d'opposition à Pol Pot et à constituer une équipe de dirigeants politiques, laquelle comprendrait dans ses rangs le commandant de l'armée vietnamienne, Pen Sovan, un Khmer qui habitait au Vietnam depuis 24 ans, et l'ancien Khmer Rouge Hun Sen, qui n'avait gagné le Vietnam en juin 1977. To Vietnam only in June 1977. À l'époque, une série de camps secrets destinés au recrutement et à l'entraînement de guerriers russes firent leur apparition au Vietnam. Et là, l'auteur cite Nayan Chanda, et Nayan Chanda, brother enemy. Les anciennes bases américaines situées à Cho Long et à Long Chau étaient les principaux camps. Were the main camps. En avril 1978, la première brigade de l'armée anti-Pol Pot army prêta secrètement serment. D'autres brigades, later, dont la force équivalait tout au plus à celle d'un bataillon, furent créées par la suite sur le territoire vietnamien. Il était considéré de première importance d'inscrire l'opération visant à renverser Pol Pot dans un cadre diplomatique approprié. En juin 1978, le bureau politique du Comité central du Parti des travailleurs du Vietnam Central jugea opportun que Lê Duẩn se rende à Moscou. En juin 1978, un diplomate soviétique indiqua que selon les Vietnamiens, la visite devait avoir un caractère confidentiel. Le Trong Tan, chef adjoint du personnel commun, accompagnerait Lê Duẩn. Et là, l'auteur cite ses sources. En s'assurant d'abord un soutien officieux, puis avec la conclusion du traité d'amitié et de coopération entre l'URSS et la République socialiste du Vietnam, un soutien officiel de la part de Moscou, les Vietnamiens se mirent à dire assez clairement que la saison sèche à venir pouvait en fait être utilisée pour lancer des attaques d'envergure contre le régime de Phnom Penh. Là encore, l'auteur cite ses sources. Toujours les archives soviétiques. These are the Soviet archives. Et il poursuit.
Chose intéressante, les Vietnamiens assurèrent fermement les représentants soviétiques qui s'inquiétaient de la réaction des Chinois à l'invasion projetée, que la Chine n'aurait pas le temps d'envoyer un grand nombre d'unités militaires à Phnom Penh afin de sauver le régime Kampuchean regime. Fin de citation. Donc là, c'est intéressant so parce qu'on retrouve ce qu'on a pu voir avec l'expert Maurice, mais également Stephen Morris, and as well le témoin as with, qui est the witness en cours d'audition who is testifying to TCW 1065 la manière, l'approche de personnes dissidents rentrées dans le maquis. The dissidents who went il underground. Souligne également l'importance d'une préparation diplomatique, comme je l'ai indiqué. Et j'en reviens à un point central de notre argumentation, qui est de dire qu'il fallait une préparation diplomatique parce que nous sommes à une période très particulière, c'est la guerre froide, la question des différents blocs, mais il y a aussi la question des pays non alignés, dont la plupart sont des pays du tiers-monde qui ont connu la colonisation et des luttes d'indépendance, et des pays pour lesquels la question de la souveraineté du territoire est quelque chose de très important et de fondamental dans les valeurs qui sont défendues à ce moment-là par les pays non-alignés. Ça, le Kampuchea démocratique l'avait compris. Je renvoie un discours de Yang Sari devant l'Assemblée générale des Nations Unies du 11 octobre 1977, donc c'est en plein moment de l'escalade, E3/1586. Son discours se trouve entre les paragraphes 49 à 68, et je voudrais en citer deux, trois. Donc, premièrement, un rappel au paragraphe 49 de ce document. Look at paragraph 49 donc, E3/1586. Il parle bien sûr au nom du Kampuchea démocratique. Nous tenons à proclamer solennellement de nouveau ici que le Kampuchea démocratique ne provoque aucun pays et s'en tient résolument et inébranlablement au principe du respect mutuel de l'indépendance, de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et l'égalité. Il rappelle, ça c'est pour qu'on ait en tête quelles étaient les valeurs défendues par les pays non alignés à cette époque-là. Paragraphe 68. Les peuples des pays exploités, les peuples des pays non alignés et du tiers-monde ont acquis une conscience politique de plus en plus élevée et une confiance de plus en plus grande dans leurs propres forces et leurs propres capacités. Ils discernent plus clairement la véritable nature ainsi que les manœuvres de l'impérialisme, de l'expansionnisme et de leurs partisans, et ils s'efforcent de mener vaillamment la lutte en tant que maîtres de leur propre destinée. En même temps, ils continuent à développer et à renforcer leur solidarité et mettent en pièces les manœuvres de division de toutes les puissances impérialistes et expansionnistes. Fin de citation. Ce passage est intéressant à plusieurs titres parce qu'il vient éclairer le jeu diplomatique que j'ai évoqué un peu plus tôt et on retrouve la raison pour laquelle en décembre 77 le Kampuchea démocratique a choisi de faire une annonce publique de sa rupture diplomatique avec le Vietnam. Et là, je renvoie à un passage de Philip Short, document E3/9, ERN en français 00639949, ERN en anglais 00396 5 8 5.
À l'aube du 31 décembre, Radio Phnom Penh annonça la rupture des relations diplomatiques entre le Cambodge et le Vietnam en raison de, entre guillemets, l'agression féroce et barbare commise par ce dernier. Cette décision, prise par le comité permanent du PCK une semaine auparavant, cherchait à profiter de la présence sur le sol cambodgien de plusieurs dizaines de milliers de soldats vietnamiens pour dégrader le plus possible l'image internationale du Vietnam en le faisant passer pour une puissance expansionniste résolue à soumettre ses voisins. Hanoï ne s'y attendait absolument pas. Jusque-là, en effet, les deux camps avaient soigneusement dissimulé leur conflit. Et voilà que non content de le révéler au grand jour, les Cambodgiens avaient tiré les premiers. L'intention de Giap avait toujours été de se limiter à une brève incursion, mais cette publicité malvenue l'obligea à rapatrier ses soldats plus rapidement que prévu. Les derniers hommes franchirent la frontière le 6 janvier. Les Cambodgiens crièrent victoire. En fait, aucun camp n'avait de vraies raisons de pavoiser. Cette opération avait fait davantage de victimes. C'est vrai que j'ai tendance à m'emballer. Quand on n'est pas en dialogue, c'est très compliqué d'aller doucement. Je m'excuse auprès des interprètes. En fait, aucun camp n'avait de vraies raisons de pavoiser. Cette opération avait fait davantage de victimes dans les rangs de Khmer Rouge que chez les Vietnamiens, avec un rapport de 3-2. Mais loin d'inciter Paul à revenir à la table de négociation, la campagne de Giap avait encore accru l'agressivité de Phnom Penh. Et là, dans la suite de son ouvrage, Short reprend un petit peu ce qui a été dit dans, par Stéphane Morris, qui a été dit également par Mosiakoff, à savoir sur l'impossibilité pour Hanoï de rester avec le régime de Pol Pot à la place. Et voilà ce qu'il dit. And here's what he says. À l'instigation de Le Duan et d'autres membres de l'aile pro-soviétique de la direction, il aboutit, et là il parle du Politburo vietnamien, qui se réunit à plusieurs reprises à Ho Chi Minh. Donc, il aboutit à deux conclusions inquiétantes. La première était que le Vietnam ne pouvait tolérer plus longtemps la présence à Phnom Penh d'un gouvernement hostile. Ainsi, conviendrait-il de prendre des mesures pour renverser le régime de Pol Pot, soit en fomentant un soulèvement, soit en créant un mouvement d'exilés qui servirait de paravent à l'armée vietnamienne lors d'une invasion de grande ampleur. Il fallait agir rapidement, sans laisser le temps aux Khmer Rouges de se renforcer militairement et d'élargir leur soutien international. Là encore, je m'arrête un instant, la question du soutien international et de la guerre diplomatique est essentielle dans le cadre de ce conflit. Un autre point qui est intéressant à la suite, donc ERN en français, 00639951, ERN en anglais, 00396587, et la question de, des relations entre la Chine et le Kampuchea démocratique, telles que vues par le Vietnam. Et je veux citer juste ce passage parce que ça parle de l'aéroport de Kampong Chhnang et ce sera le dernier avant la pause, Monsieur le Président, si vous souhaitez la marquer maintenant. Le programme d'aide militaire que la Chine avait accordé au Cambodge et qui avait été lancé 2 ans auparavant a paru désormais à Hanoï sous un jour nouveau et sinistre. Les planificateurs militaires vietnamiens remarquèrent avec inquiétude que le nouvel aéroport militaire en construction à Kampong Chhnang, qui comprenait des hangars
et des dépôts de munitions camouflées enfouis dans les collines étaient situés à moins de 30 minutes d'avion de Ho Chi Minh Ville. Les incidents frontaliers se multipliaient non seulement avec le Cambodge, mais également sur la frontière entre le Vietnam et la Chine. Fin de citation. Donc, c'était un point pour rappeler et souligner que la question du conflit avec le Cambodge s'inscrit dans un cadre un peu plus vaste, et notamment le lien ou la peur que le Vietnam pouvait avoir également de la Chine. Monsieur le Président, je ne sais pas si vous voulez marquer la pause maintenant. Monsieur le Président, je ne sais pas si vous voulez avoir la pause maintenant. President, thank you. It is now time for a short break. Le moment est venu de prendre une courte pause. The chamber will take a break from now until 3 p.m. Jusqu'à 15 heures.